Dans un entretien accordé au magazine Gala, Laurent Ruquier et Hugo Manos se sont longuement confiés sur leur histoire d'amour. Les deux tourtereaux ont notamment révélé s'ils étaient prêts à devenir parents ou non. Depuis 5 ans, Laurent Ruquier file le parfait amour avec Hugo Manos, propriétaire de plusieurs salles de sport parisiennes, dont il a fait la connaissance sur les réseaux sociaux. Après plusieurs mois à discuter, les deux tourtereaux se sont donné rendez-vous dans un café de la capitale, avant de dîner pour la première fois ensemble chez Lynn Renault. Des années plus tard, le présentateur de Club Première reconnaît que cette invitation chez la célèbre actrice était un moyen pour lui de tester son amoureux. Il y avait notamment Vincent Dedienne et Jean-Philippe Janssens. Et j'avoue que c'était aussi un petit test à mes yeux, de comment il allait se comporter avec eux. Il a été très à l'aise tout de suite et a beaucoup plus à l'aise, explique-t-il dans les colonnes du magazine Gala. Laurent Ruquier et Hugo Manos bientôt parents? Très amoureux l'un de l'autre, Laurent Ruquier et Hugo Manos mènent une vie paisible dans un duplex de l'Ouest parisien, où ils ont récemment accueilli un labrador de 3 mois, qu'ils ont prénommé Tigane. Pourtant, s'ils sont pleinement engagés dans leur relation, l'animateur des grosses têtes et le coach sportif n'ont pas du tout l'intention de devenir parents pour l'instant. Ce n'est pas le bon moment, il faut d'abord que je m'accomplisse professionnellement. Si je n'ai jamais d'enfant, ce ne sera pas un drame, mais je ne peux pas dire que je n'en aurai jamais envie, confie Hugo Manos. De mon côté, je n'ai jamais eu ce désir. Maintenant, si mon compagnon en a un jour très envie, ça me fera forcément évoluer sur la question. Mais alors, il faudra quand même se dépêcher, rétorque Laurent Ruquier, qui fêtera ses 60 ans ce vendredi 24 février. Le couple ne souhaite pas se marier comblé par leur vie de couple, Laurent Ruquier et Hugo Manos ne visagent pas non plus de se passer la bague au doigt. Et pour cause, l'ancien chroniqueur de TPMP People, âgé de 34 ans, est totalement opposé au mariage. Ce n'est pas du tout un événement qui m'attire. Déjà, je suis pleinement athée, donc le côté religieux n'entre pas en ligne de compte. Et je n'en vois tout simplement pas l'intérêt, tout en sachant que je ne passerai pas un bon moment, je suis trop angoissé, déclare-t-il. S'il n'est pas contre l'idée, Laurent Ruquier respecte quant à lui les convictions de son compagnon. Mais comme Hugo n'a pas envie, on est très bien comme ça. À lire aussi Je suis un homme heureux, Laurent Ruquier fait un clin d'œil à son compagnon Hugo Manos dans Les enfants de la télé.